La discrimination est une action ou une décision négative portée contre une personne pour des motifs personnels tels que la race, l'origine ethnique ou le sexe. Les 14 motifs de discrimination sont énumérés dans la Charte québécoise des droits, des libertés et de la personne. Ils sont la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les convictions politiques, l'origine ethnique ou nationale, la langue, l'handicap et la condition sociale. La Charte québécoise des droits et libertés interdit de porter atteinte aux droits d'une personne en raison de l'un des 14 motifs, comme par exemple son âge ou son sexe. La discrimination peut être directe, c'est-à-dire qu'elle est intentionnelle, voire même planifiée. La discrimination peut aussi être indirecte, c'est-à-dire insignifiante à première vue, mais qui va ensuite avoir des effets discriminatoires à l'égard d'un individu ou d'un groupe d'individus. La discrimination peut aussi être systémique, c'est-à-dire qu'elle découle de modèles organisationnels ou de pratiques institutionnelles. Finalement, la discrimination peut être intersectionnelle. Elle résulte alors de l'addition de motifs, comme l'âge et le sexe d'une personne. Un comportement peut être considéré comme discriminatoire, même en l'absence de l'intention de discriminer. Lorsqu'une personne croit être victime de discrimination, elle pourrait porter plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. La personne qui fait une plainte pour discrimination doit prouver trois éléments. 1. Une distinction, une exclusion ou une préférence. 2. Fondée sur un des 14 motifs énumérés plus tôt. Et 3. Qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l'exercice d'un droit ou d'une liberté. Une fois que ces trois éléments ont été réunis, il y a alors discrimination à première vue. Oui, une fois que la personne qui se prétend victime a établi qu'il y avait discrimination à première vue, la personne accusée d'avoir discriminé peut justifier sa décision ou sa conduite en invoquant les exemptions prévues par la loi ou celles développées par la jurisprudence. Par exemple, un homme qui décide qu'il n'embauche que des hommes au sein de son entreprise car il n'aime pas les femmes fait preuve de discrimination basée sur l'un des 14 motifs, c'est-à-dire le sexe.